Pour moun ki pa konnen, imaj sa wap gade la, sa se vil Waramet. Depi wap gade l'eglise la, l'eglise katolik la la, epi plas la ki entouye avèk tout lot batiman sa yo, la ou Waramet. E fòm di moun Waramet, yo gen fason yo manje, yo gen fason yo pale. E yo menm gen fason ke l'anterman fèt nan Waramet. Donk son vil, se kon sa liye. Palan de l'anterman, Waramet lontan, se yon lè kon sa ou te kon dande, kloch l'eglise la sonnen, yon ti gran moun mouri. Ti gran moun 90 ans, 94 ans, et même 100 ans. Alors c'est vrai, longtemps, pas de gran pile moun kon sa, Waramet, parce que fòm di Waramet son zone commerce, son zone sous frontière, et presque chaque lundi, chaque vendredi, au moins pou piti 100 moun soti l'autre côté, yo vini yo tout rete Waramet. Ça veut dire son côté, population a augmenté à grande vitesse. Et puis tout terre qui te kon fè manje, l'autre côté, etc., tout terre sa ou y a et béton y a planté dans yo, y a bâti dans yo. Donc pas gen l'état moun yo fait ça ou vle. Donc jodi a Waramet ou gen on ville côté question si nan côté plus moun mouri. Ça veut dire taux de mortalité a y augmenté. Et ça pour clé ensemble avec nous, République Dominicaine pas innocent là-dedans. Pour qui raison? Longtemps au moins chaque kay nan Waramet, chaque famille te gon ti jardin côté ou te ka ale, ou bien ti jardin qui te kon ba yo quelques produits, quelques denrées bio pour kay la manger. Mais je dis à la ou gen vente tout le monde dépend totalement de la République Dominicaine. Qui a vendu nos produits Fatra, d'ailleurs gen des produits, République Dominicaine fait spécialement pour Haïtien. Nous n'avons pas qu'une instance qui a contrôlé la douane son passoir, donc depuis que l'argent produit a passé, surtout pour gros commerçants. Donc nous pas l'acheter en République Dominicaine, nous l'acheter manger. Donc non seulement nous déplacer, nous payer transport pour nous l'acheter, ensuite les nappes retourner encore, ou gen c'est propre agent la douane haïtien, donc c'est haïtien même qui dédouane un produit que le saute payer à le chercher pour le rentrer avec encore. En principe, c'est dominicain qui t'a supposé déplacer au pays transport vin Haïti au dédouane marchandise pour vin vendre. Manger qui plein produits chimiques, manger qui pas bon pour la santé. Et l'autre cause encore gogo cause à ces médicaments. Nous gagne de professionnels dans question santé, malheureusement, al prend médicament Fatra en République Dominicaine. Médicaments qui ka touye moun et puis pour vinn vann yo sou marché haïtien. Gen médicaments la pran yon produit, yo produit yo exclusivement pour Haïti. Et yo gen réseau nan pays a pour écouler yo. Donc jodi a, ou gen moun a fait toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes. Pour qui ça? Pa gen aucun contrôle sou sa n'ap manje, sou sa n'ap consommer, l'état pa di rien. Donc au final nous son peuple qui condamné pour mourir. Dominicain, yo pa jam renmen haïtien, yo pa renmen haïtien, yo pa jam renmen haïtien. Dominicain te toujours persécuté haïtien. Tout haïtien lak Saint-Dominique, et nan maron yo te toujours malgré yo gen visa. Donc c'est pas canal la campé là qui t'a pas faire dominicain renmen nous. On nous dit dirigeant dominicain nan histoire nous, yo pa jam renmen haïtien. On se spande bay tête nous menti. Parce qu'on ti privilège en République Dominicaine, on ka rentre ou ka sorti ou bien on va faire commerce là-bas, ou va dégager ou c'est l'on fait richesse ou penser que ou même ou pas vle rallier à cause canal là et ou même kapouel. Parce que si pays en ranger la bon pour tout le monde, on va faire commerce normalement, on va acheter à l'étranger, on va voyager, on va faire pile business, on va faire pi gros bagay. Donc on booster tête nous, on met ensemble pour nous rejoindre canal là, faut canal là fini, faut gagne l'autre canal qui fait on prend agriculture nous en main. Pour même gens s'attendre longtemps pour nous continuer à manger bons produits, pour nous rester en santé et pour nous développer le pays.